La colère des membres de l'association Trop Violence, Santé et Respect des Droits pour Tous devant l'Agence régionale de la santé. Ils tenaient à dénoncer un manque d'investissement et de modernisation des structures sanitaires en Guyane et aussi le peu de considération de la ministre de la Santé Marisol Touraine lors de son séjour en Guyane la semaine dernière. Le passage ministre est irrespectueux. Il était irrespectueux. Là, nous sommes dans l'état catastrophique sanitaire pays et que nous avons l'impression que Mlle a fait le monde, qui a nous 4 millions. Et nous connaissons une dette de fournisseurs qui a une montante de 25 millions pour l'hôpital Cayenne-Ronso. Nous connaissons difficulté CMCK à 8 millions et nous connaissons difficulté Choga à 12 millions. Mais pour ça, vous n'êtes pas interpellé pendant qu'il était là? Attends, il faut bien comprendre que pendant visite ministre, il y a couillonné nous. Il y a blou-blou nous. Et le mouvement du coup s'est durci en début d'après-midi. La route qui mène au centre hospitalier André Rosemont est restée bloquée. Le temps pour cette chargée de mission du ministère de la Santé, Chantal de Singly, d'établir les conditions d'un dialogue avec les associations et une intersyndicale du centre hospitalier André Rosemont. Ils ont des choses à dire sur la santé en Guyane. Comme vous le savez, je suis venue à la demande de Mme Touraine. Lors de sa visite ici, elle a été frappée par les questions qui étaient posées. Elle m'a demandé de venir travailler avec tout le monde pour comprendre et lui faire des propositions pour répondre aux besoins de santé de la Guyane. Et en fin d'après-midi, une réunion s'est finalement tenue à huis clos à l'ARS. Une réunion de concertation à l'issue de laquelle un projet concerté et partagé pourrait être soumis à l'avis de Marisol Touraine. Les deux parties se sont d'ores et déjà donné rendez-vous pour vendredi prochain.